Exactement, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Prey sur PC. On va pouvoir tout de suite continuer après là où on s'est arrêté dans le support de vie. Je préviens, j'ai déjà visité la zone, enfin, ce début de zone une première fois, mais on va pouvoir y aller. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la fin, parce que bon, oui, non, pas beaucoup d'objets ici. Hein. Bon, soit un peu haut quand même. Alors. Il veut qu'on aille là-bas? Très bien, on ira après. Bon, déjà par là. Hop, 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 hop. Il s'agit ici. Désolé si vous entendez la moto qui vient de passer, j'en ai marre de ce quartier. Tout le temps des bruits comme ça ici. Ouais, bah vas-y, continue, je dirai rien. Ah là là. Sauvez-moi, sauvez-moi. Ça c'est déjà mis. On va vite. Ouais, j'utilise pas beaucoup. J'utilise plus beaucoup ma clamelette. Procédure de décontamination atmosphérique initialisée.
drainage de l'oxygène dans 5, 4, 3, 2, 1. Le contrôle de l'atmosphère se trouve juste derrière. Pas le moyen de l'atteindre. Aucun moyen de l'atteindre, tout simplement. À moins que. À moins qu'il y aura un passage ici. Bon. Voilà. Faut pas encore l'atteindre, donc ici c'est bon, on a rien d'autre à faire. Décontamination terminée. En attente d'oxygénation. À moins que. Ok, toi. Niveau d'oxygène normal. Bizarre. Ah oui, c'est peut-être pour tuer les ennemis. D'accord. Pendant compte ça. Moi aussi pour le moment j'en ai pas besoin. Là-bas on est déjà allé. Bien même. C'est bon, j'en ai pas besoin. Ah non, j'ai besoin de rien. Pas pour le moment, du cas. J'ai besoin des codes, moi je suis un pirate. Pourtant j'ai l'impression que c'est un peu mieux, je n'ai plus les 30 FPS. Alors, la raison du pourquoi du comment, alors là, faut pas me demander, ça me pose une colle. D'armes, ça c'est au max, c'est pas modifiable. Joe, Kirk Kramer. Alika, ici Kirk Kramer. On est dans le module d'évacuation 8-9. Tout le monde va bien, mais les commandes de lancement ne répondent plus. Est-ce que vous avez bien suivi toutes les étapes de la carte de lancement? Oui, même le klaxon a sonné. Mais l'écoutille ne veut pas se fermer. On peut pas décoller. Attendez, je regarde les plans. Il devrait y avoir un capteur sur les boulons explosifs. Alika, je vous en prie, dépêchez-vous. Je vois les câbles, mais... Une minute, c'est impossible. Vous pouvez nous faire décoller à distance? Est-ce que vous pouvez au moins fermer cette putain d'écoutille? Non, je ne pense pas. Vous voyez une manivelle ou autre chose? Rémer? Rémer, vous me recevez?
Ce sera pour plus tard. Un peu obvious, mon petit, hein. Y'a rien en dessous. Zone de module d'évacuation. Et vide. Elle est pas vide, mais y'a rien à prendre. Un peu de munitions. Je crois qu'il y a une zone de recyclage ici. Ouais, bah, tu m'étonnes, j'ai pas de place. Pas trop. Processeur volatil parallèle. On descend. Price Broadway.
Ah oui, je me disais bien que... Au-dessus. Allez, on monte. Ok. Vous lirez. J'ai bientôt ici. Ouais. Je suis bloqué par un. Non, c'est... Bien. Où est-ce que c'est hein? On va descendre tout en bas pour essayer de... Parce que descendre, oui, en bas, mais là c'est tout en bas, c'est pas un étage, non, c'est tout en bas. Ça, récupérer des ordinateurs. Tout ça pour un cadavre, tant mieux, au moins on aura déjà ça, on n'aura pas à le rechercher plus tard. Non, j'ai combien de...
J'en ai 4, c'est pas encore assez, il m'en faut. Ouais. 8 en tout. Alors attendez un petit instant. La gestion des déchets, ouais. On a tout vu. On a tout vu. Ok. Avant d'aller là-bas, je vais juste vérifier une chose. Pour le centre de sécurité. Là, on se redirige vers une bonne zone. Là-bas, là-haut, ah, je peux pas aller au bureau de la sécurité. Non, tant pis. Je sais pas comment ça se fait que j'ai pas encore la carte. Pas bien grave. On voit la centrale électrique. Je sais que tu ne venais pas souvent ici, mais... je peux te suivre grâce à ton bracelet et te guider. Ça c'est fait. J'ai pas de numéro, c'est pas grave. Centrale électrique, j'en ai un paquet. J'essaie de regarder si j'aurais peut-être encore support de vie. Arboretum, c'est normal. L'équipage bio, c'est normal. Support de vie. Un paquet de corps. On va prendre, allez, on pif le premier de centrale électrique. Il est là. Allez, je suis plus dur à trouver en tout cas. Inspection en cours. Votre combinaison fuit. Je vais refermer la page. Examen terminé. Allez, passe sur toi. Désolé si je bouge un peu vite. Tu me cherchais? Ouais. C'est quoi cette histoire avec le bureau de Mikaela? J'ai rempli un rapport d'incident. Je suis sûr qu'il est très bien écrit, mais j'ai pas le temps. Il faut que j'envoie une équipe de l'autre côté de la brèche. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'un trou de balle au fond d'un puits paraît plus éclairé en comparaison. La résistance de mise à la terre a grillé. Change-la, ça devrait relancer l'éclairage.
Autre chose? Ouais. T'as l'air secoué. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai déjà essayé de changer la résistance hier. Et? Et elle a fondu, c'est devenu une espèce de gelée. Ça sentait le cul grillé. Bordel, Anne. Tu l'as pas mis dans le rapport, si? Écoute, faut que je dorme. De toute façon, j'ai fini mon quart. Peut-être que t'auras plus de chance que moi. Je me rappelle qu'il y avait la résistance à l'aster à la seule psychotronique. Il faudrait que je fasse ça. Très bien. Duncan, les codes d'accès de la réserve détachée ont été changés lors du dernier quart. On a eu un court-circuit, la sécurité est venue redémarrer le système. Oh d'accord, merci. Je suis peut-être pas bien placé pour ça, mais... Quoi, j'ai pas la journée. C'est juste qu'il y a eu une fuite sans importance et j'ai dit à Conley que nous devrions attendre les nouvelles pièces, mais... Duncan, vos concours de bites avec Conley, je m'en tamponne. Pas à Brooks. Le code est en pièce jointe. Quelque chose ou pas? C'est une grande zone, dis donc. Toc. Pas compris. Pourquoi ils sont morts comme ça? Huh?
Voilà, ça c'est bon. Présence de la mise à terre. J'ai un peu de place pour ça, très bien. Ah, je pourrais descendre tout en bas, mais on va pas faire ça. Parce que si. Non, on va oublier des choses. Des modificateurs d'armes. Si j'ai pas encore assez. Ok. J'ai avancé. C'est qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Pas fou. Non, 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 y'a rien. Ennemis à fond d'eux, tranquille. Tranquille ou bidou. Mimi, où es-tu? Superviseur, Talia Brooks, dans la chambre de refroidissement. Elle s'en est pas tirée, mais elle a probablement sa carte sur elle. Et ok, mais tu attendras un petit peu encore, ma petite. On a tout notre temps. Tout, c'est peut-être un peu exagéré.
On arrête avec ces petits screamers, ouais. Non mais oh. Bonjour, y'a quelqu'un? Non, y'a personne. C'est pas considéré comme niveau 3, c'est considéré comme niveau. Et par là 4 et moins 5 je crois, non, toujours pas la carte. Où est-ce qu'il peut être? La chambre de refroidissement, ça, non? Pas embêté. On va la chercher comme ça, je vais monter. Là. C'est quoi son nom déjà? C'est Talia Brooks. Hein, Talia Brooks. Ça, elle est là. Ah, elle est cachée dans le feu, d'accord. Hey, un petit oiseau m'a dit que t'avais bouché une fuite de manière pas très conventionnelle il y a quelques semaines. Ah ouais? Est-ce que c'était un petit oiseau lèche-cul du nom de Krasikov? Peut-être. Tu peux éclairer ma lanterne? Pas si je vais me prendre une tape sur les fesses. Pire, je vais te balancer dans l'aquarium à anguilles. Aïe. Non, il y avait plus de pièces en réserve, alors j'ai emprunté le canon glu des types des labos techniques. Ça a bien marché. Ingénieux. La prochaine fois, vérifie que t'as bien les pièces détachées pour réparer correctement. Compris, boss. Boże mój, Morgan. Une Romain, peut-être. J'ai cru que j'allais mourir. Enfin, bien plus tôt que prévu. Ce truc sortait d'où? C'était Tony? Le regard qu'il m'a lancé. Je me lèverais bien. Mes jambes me laissaient faire. Et mes poumons. Et mon système nerveux. Ne fais pas cette tête. Paraplexie, tu te souviens? Tu m'avais prévenu. Les injections sont dans mon bureau. J'y arriverai jamais dans cet état-là. Mais les ascenseurs... J'étais sérieuse tout à l'heure. Je crois qu'on peut contourner le verrouillage. La salle de contrôle du réacteur. On peut tout mettre hors tension depuis là-bas. Toute la station. L'ordinateur essaiera de t'en empêcher. Ne l'écoute pas. Ensuite, prie pour que les systèmes se rétablissent quand tu redémarreras le réacteur. Ça devrait fonctionner. Non, ça va fonctionner. Vas-y, pars. Je pensais qu'on t'avait fait quitter la station. Ou que tu l'avais quitté de ton plein gré. D'où est-ce que tu viens? Je croyais que tu étais sur Terre. Ugh.
Attendez, me dites pas que c'est une minute. Non, ça a l'air d'être une heure. On y va tout de suite. J'ai pas envie de tenter. J'ai pas envie d'attendre qu'elle meure. Tu verrouilles. Ah non, hein. Pas de verrouillage de sécurité. Ah bordel. Et attendez pas du tout. Tous les systèmes sont opérationnels. Merci. Mes excuses. Je le fasse, il faut que je le fasse. Faut pas que je prenne trop de temps pour la pour faire ça. Et verrou interne, c'est quoi ce bordel? Bonjour, ravi de vous voir, Mysterio. On va s'occuper de ça là-haut. Ce vilain mimique. Et oh. Bonjour. Alors, je vais verrouiller la zone. J'ai pas envie qu'elle se fasse tuer. Reste en vie, ma petite. Hein. Je sais qu'il y en a un autre, pas grave. Je peux courir sans faire de bruit. Sauter là, mais je peux faire. J'en fous quand même. Un peu parce que c'est une grande zone sûrement. Allez, on descend tout.
et on va descendre directement par les escaliers, sinon c'est pas marrant. Combien d'étages en tout dans cette zone? Il y en a 5 normalement. Au réacteur, très bien. Putain, c'est quoi ça? Bon, les salles, on sait jamais si on aura besoin après. Putain, ça me. Merde. Parce que je suis dessus plus trop longtemps, peut-être. Enfin, 1h50, ça. Mais non, c'est mieux. Ça glisse pire que sur la neige. Pire que sur la glace, pardon. Parce que la neige, ça glisse pas, c'est la glace. Encore des tourelles. Alors attendez, je reviens. Me revoici, désolé, besoin vital là. Quand je regarde le réacteur, en fait, je lag à chaque fois. Ah, nice. Ça peut les jeter. Ça peut les vendre, les mettre. Encore, je comprends. Je... mission fusillade tout en haut. C'est bon pour le moment. Ça après.
J'ai envie de faire une chose. Voilà, explosez-moi dessus. Magnétosphère. Après. Initialisation de la séquence d'arrêt du réacteur. Réseau d'alimentation des sous-stations désactivé. Panneau photovoltaïque désactivé. Système de support de vie désactivé. Magnétosphère désactivé. Réacteur désactivé. Réacteur principal dans 3, 2, 1. Réacteur arrêté. Séquence de lancement du réacteur principal dans 3, 2, 1. Gravité activée. Système de support de vie. Activé. Magnétosphère. Attention. Initialisation du réacteur interrompu. Utilisation de l'alimentation auxiliaire. Conley, cet imbécile était censé vérifier ses partiteurs il y a une semaine. Ok. Morgan, tu vas devoir réparer ça toi-même. Ou trouver une pièce de rechange si on n'a pas de bol. J'ai installé les partiteurs du réacteur de rechange sur le monte-charge comme demandé. J'ai demandé à Conley de les descendre quand on en aura besoin. Attention, reprise de l'initialisation du réacteur. Magnétosphère activée. Réseau d'alimentation des sous-stations activée. Initialisation du réacteur terminée. Système restauré. Ça a marché. Je vois que les ascenseurs et les sas sont alimentés. Mais je détecte beaucoup de surcharge et de fuite dans la chambre de refroidissement. Fais attention en revenant. Les autres structures sont peut-être endommagées. Oh, je vois. Tu as tout réinitialisé. C'est journée porte ouverte sur Talos One à présent. Malin. Dangereux, mais malin. Ça fait plaisir de voir que certaines choses n'ont pas changé. Je ne te mettrai plus de bâton dans les roues. Tu mérites de connaître la vérité. Attention, toute Morgan. La vérité. Tu as déclenché l'alarme de gaz dans la chambre de refroidissement après avoir redémarré le réacteur. Les turbines sont refroidies. Morgan, c'était vous. Elle fuit. Je sais pas ce que c'était, mais c'était flippant. Si c'est une sorte de blague, le courant semble revenir. Allez, on y va. Microgravité détectée. Alors, à terre. Allez. Voilà. On nous explose dessus, mais c'est pas... Okay.
bizarre, n'est-ce pas? Parfois, tu me rends vraiment dingue. Tu ne m'écoutes jamais. Le tour quand même, hein. Voir ton adaptation. Voilà. Comme ça, on va pouvoir sauver notre ami. Déjà faire ça. Oh merde, Morgan. Je suis décidément pas au bout de mes surprises avec toi. S'il te plaît. Dans ma nuque, essaye de trouver les marques. C'était plus difficile quand je le faisais moi-même. Putain, c'est bon, j'arrive à respirer. Et à sentir mes jambes. Toujours quelques taches devant mes yeux, mais elles devraient bientôt disparaître. Merci, Morgan. Je suis dans votre bureau, et ma parole, je viens d'y trouver un opérateur en miettes. Mais je n'en avais jamais vu de ce type. Je cours peut-être un risque ici, mais j'attendrai votre retour, Morgan. En espérant que ce qui a tué cet opérateur ne reviendra pas. D'accord. Ah, faisons un peu le tour, donc ça c'est plus tard. Il faut cuistot, ok. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Bah mince alors. Alerte. Niveau dangereux de gaz alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Oups. Je pensais pas que ça faisait ça en fait. Morgan, je suis dans votre bureau. Bonjour. Et ma parole. Viens d'y trouver un opérateur en miettes. Mais je n'en avais jamais vu de ce type. Je cours peut-être un risque ici, mais j'attendrai votre retour, Morgan. En espérant que ce qui a tué cet opérateur ne reviendra pas. 6%. Intégrité du réservoir restaurée. Perte d'hydrogène réduite de 66%. Intégrité du réservoir restaurée. Perte d'hydrogène réduite de 99,79%. Menace de gaz explosif minimale.
Les opérations normales peuvent reprendre après approbation de votre superviseur. Ok, oh, c'est bon. C'est bon. Celui-là est bon ou pas? Ah, celui-là. Ouais, c'est bon par là. Ah non, c'est celui-là qui faut réparer. On va remonter alors. Ça, ouais. Est-ce qu'il me reste des personnes à prendre? Quartier de... Non, ici. Électrique. Ouais, il y a okay. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si ça marche, ça fait des dégâts. Je prends qu'un mini à ça. Donc, ouais, on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on se rapprochera un peu plus de l'arboretum. Je ferai donc des objectifs annexes, par exemple le cuistot ou des trucs comme ça. Et je chercherai les personnes dans les zones que j'ai déjà visitées et que je ne retrouve pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était le prochain Team HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et une vidéo.